L'analyse de données biomédicales est un domaine de recherche qui est actuellement en plein essor. Il réunit des éléments de différents autres domaines, incluant les statistiques, l'informatique, l'intelligence artificielle et le domaine de la santé. Cette chaire aura le mandat de développer des méthodes d'analyse centrées sur les caractéristiques des données biomédicales afin de développer des applications concrètes du domaine de la santé. On s'intéresse à deux types de données, les données physiologiques et les données biomécaniques. Les récentes percées de l'Internet des objets a entraîné l'apparition de nombreux appareils mobiles connectés destinés au domaine de la santé. On parle ici des montres intelligentes, des pendentifs intelligents et des souliers et des textiles intelligents. Ces appareils mobiles sont munis de capteurs qui permettent de collecter en temps réel des quantités énormes de données physiologiques qui décrivent entre autres la température corporelle, l'activité respiratoire et l'activité cardiaque de leur utilisateur. Dans ce contexte, notre rôle est d'analyser ces données massives de grandes dimensions qui sont difficilement exploitables manuellement pour extraire des connaissances en utilisant des techniques d'apprentissage machine. Nous pourrons par exemple détecter en temps réel une arythmie cardiaque ou un problème respiratoire chez une personne âgée durant ses activités physiques quotidiennes. Ou bien, nous pourrons faire le suivi à domicile d'un patient ayant subi une chirurgie cardiaque pendant la période de réadaptation post-opératoire. Cette chaire aura aussi le mandat d'analyser les données biomécaniques du système musculo-squelettique. Nous avons développé au laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie au centre de recherche du CHUM une technologie à la fine pointe, le Nikiji. Cette technologie permet de mesurer avec précision le mouvement articulaire du genou. Ces informations sont importantes mais restent complexes pour être analysées visuellement par les physiatres. Notre objectif est de développer des systèmes basés sur l'intelligence artificielle qui permettent d'interpréter les signaux biomécaniques pour assister les physiatres dans la prise de décision et par la conception d'outils d'aide au diagnostic de pathologie et au traitement chirurgical de cette articulation. Ces outils auront un impact majeur sur le traitement de patients souffrant de pathologies au genou. Au Canada, 15% de la population souffre d'arthrose au genou et on estime que la prévalence de cette pathologie va doubler d'ici 2020. Je commencerai par agrandir mon équipe par le recrutement d'excellents étudiants au cycle supérieur et stagiaires postdoctorants qui seront les acteurs principaux pour la réalisation de ces activités de recherche. Aussi, je veillerai à maintenir et renforcer le lien avec les partenaires universitaires, industriels et cliniques, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Nous espérons pouvoir pousser l'état de l'art en analyse de données biomédicales et assurer une diffusion scientifique et un transfert technologique de qualité.